Prévu pour le mois d'octobre, le concours de recrutement des enseignants est pour la énième fois reporté. La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre du côté des enseignants. Malgré les bourrasques de vent et de pluie, plusieurs d'entre eux se déplacent chaque jour devant la direction de l'éducation. Mais à ce jour, aucune réponse ne leur a été donnée. Depuis que la ministre a annoncé un concours de recrutement pour les enseignants, je me rends à la direction de l'éducation pour m'informer, mais c'est toujours les mêmes réponses. Les cadres qui travaillent à l'intérieur disent que rien ne leur a été transmis du ministère. Comme vous pouvez le voir, il n'a encore rien affiché. Le malheur, c'est qu'entre ce que dit la ministre de l'Éducation et ce qu'elle fait, il y a un monde. Nous sommes complètement perdus. De nombreuses questions restent sans réponse. La ministre de l'Éducation nationale est aux abonnés absents. Même avec les technologies qu'il y a dans le monde, nous n'arrivons même pas à l'exploiter en Algérie. La moindre des choses était de nous faciliter la tâche en affichant la liste sur Internet. À chaque fois qu'on se déplace, ils nous demandent de revenir la semaine d'après. Nous perdons notre temps ici. La ministre avait pourtant assuré que le concours se déroulera en toute transparence. Une chose est sûre, la fin de l'année scolaire 2016-2017 s'annonce d'ores et déjà chaude.